on tourne la boule. Et action. Là, il faut rectifier le tir. Du coup, il va falloir qu'on refasse la prise. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique là-haut? On ne finira jamais notre film tant que Pierce sera dans la maison. Y a pas un moyen de le faire sortir? Ne pas sortir a l'air d'être sa seule occupation. Je crois que j'ai une idée. Hé, hey, Pierce, j'ai un bon gratuit chez le glacier du centre commercial. Celui que tu préfères. Là, tu m'intéresses. Est-ce que je t'ai dit que tu pouvais prendre toutes les garnitures à volonté? Y a même la fontaine à chocolat chaud. Oui, et tout ce que tu as à faire, c'est sortir de la maison pour aller chercher le cornet de glace géant de tes rêves. Bah, non merci. Quoi? Pourquoi tu ne veux pas? Parce que je ne peux pas quitter la maison, Polly. Ce serait un comportement irresponsable. Mais bien sûr, t'es beaucoup trop jeune pour comprendre ça. Et c'est pour ça que papa et maman m'ont nommé responsable de la maison. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, il faut que je regarde mon émission et... Est-ce que t'as vu ça? C'était une énorme araignée! Où est-ce qu'elle est passée? Attrape-la! Attrape-la! Oh, j'y crois pas! Elle était gigantesque! Je ne savais pas que tu étais du genre à avoir la frousse pour rien. Je vais chez Shani un petit moment. D'accord, ne t'attire pas de problème, sinon c'est moi qui aurai des problèmes. Compris. Notre envoyé spécial en direct de la mairie de Little Top. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sens les poils de ma nuque qui se hérissent. Super grand! Polly, t'as assuré. On va enfin pouvoir finir le tournage de notre film. Qu'est-ce qu'en dit notre réalisatrice? Oui, au travail. Et action! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je crois qu'il faut que vous veniez voir ça. C'est Patty, la chasseuse de fantômes. C'est une grande spécialiste des phénomènes paranormaux. D'après ce que j'ai entendu, elle a réglé 100% des cas d'activité paranormale qui avaient été signalés dans la ville. Elle a enfreint 100% des règles de la mode par la même occasion, c'est clair et net. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Et pourquoi elle est avec Pierce? J'en déduis que notre plan pour le faire fuir a un peu trop bien fonctionné. À votre avis, les amis, est-ce que cette machine est... silencieuse? À mon avis, absolument pas. Bonjour à tous les habitants de Little Town. Ceci est un exercice visant à tester le système de dôme d'urgence. Ne vous alarmez pas. Cet exercice est conçu pour votre sécurité et sera bientôt terminé. Voilà tout. Charmant. On se voit après le bal. Par tous les espaces-temps, qu'est-ce que c'est que ça? En réalité, ceci n'est pas un exercice. C'est permanent. Mais au moins, ils resteront tranquilles jusqu'à ce que je les rétrécisse. Super, petite! C'était prévisible. Gwen, phase 2! Oui, chef. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, j'ai vraiment sommeil. Ajoute encore un peu d'extrait de lavande pour les endormir. Attention, le train du sommeil arrive. N'était qu'un cauchemar. Bonjour, Pocket. Qu'est-ce que c'est? Aurais-tu égaré ceci? Oh, c'est pas vrai! Vous ne pouvez pas faire ça!
Bien sûr que si. Je suis la mère de la ville. Et ce soir, je serai la chef suprême et je régnerai sur Grande et Ville. Ensuite, je pourrai enfin faire vraiment tout ce que je désire. Pour que tu ne bouges pas d'ici. Maintenant, il faut que j'aille au bal pour accueillir les habitants de Little Town et pour les rétrécir. Je serai bientôt de retour, mais pour être sûre que tu ne tentes rien de stupide... Polly ! Lila ! Shani ! Oh non ! Approche, Gwen. Je compte sur toi pour les surveiller de près. Oh, trop bien ! J'ai des copines dans un bocal. Ok, Shani et Lila ne peuvent pas m'aider. Je pourrais appeler Mamie, mais elle est à l'autre bout du monde. Et le temps qu'elle arrive ici, Grisel aura déjà rétréci tout le monde. Nicolas est la seule personne à Littleton qui me soupçonne d'avoir le pouvoir de rapetisser. Mais il est coincé dehors. Polly chérie. Oui, papa. On va prendre la route pour les pics enneigés. Oh, bonjour Lila, bonjour Shani. Ouh, j'adore votre combinaison de ski, Monsieur Pocket. Total look papa qui déchire. Merci, Lila. Je l'ai depuis mes 20 ans et elle me va toujours comme un gant. Oh. On part dans 20 minutes. Oui, mon avion aussi décolle bientôt. Je dois faire ma valise. J'ai déjà tout prévu. Une tenue stylée et pratique pour toutes les occasions. Vous avez de la chance. Vous, au moins, vous aurez des endroits où vous pourrez porter vos plus belles tenues de vacances. Moi, je vais rester coincée ici. Si vous pensez que Little Town est ennuyeuse en période scolaire, attendez un peu que tout le monde soit parti en vacances. Essaie plutôt de voir le bon côté des choses, Lila. En restant chez toi, tu vas pouvoir regarder des films, lire des livres et finir d'écrire la fanfiction que tu as commencé. Je vais plutôt compter chaque minute en attendant que vous reveniez. Ne t'en fais pas, on se parlera tout le temps. J'ai besoin de mon entraîneur et de ma conseillère de mode pour remporter le festival des flocons dorés. On te rapportera de super souvenirs, promis. Juste pour info, les bijoux me vont très bien au teint. Merci. Oh oui! J'espère que les pics enneigés sont prêts pour leur dose annuelle de Pierce Pocket. Oui, malheureusement, personne n'est jamais prêt pour ça. C'est bon de voir que cet endroit ne change jamais. Je suis d'accord avec toi, chérie. Attention, vous allez vous brûler les fesses. Mamie, tu es venue. J'avais promis que je ne raterais plus un séjour à la station des pics enneigés. Y a pas de temps à perdre. Je veux aller dans le jacuzzi, puis à la patinoire, retourner dans le jacuzzi et aller voir l'exposition de sculptures sur glace et tout ça avant d'admirer le coucher de soleil en me baignant dans le jacuzzi. J'aime ta façon de penser, Pierce. Il est trop mignon. Comment il s'appelle? Paxton. C'est mon petit frère. Oh, et où? Et toi, tu vas venir avec moi. Hé, hey, on est pratiquement pareil, lui et moi, la génétique. Je dois m'entraîner pour le festival des flocons dorés. Il faut que j'assure la descente en snowboard. Je vais venir avec toi, Polly. On va enfiler nos combis de ski et attaquer la poudreuse. Oui. Mais je te préviens, j'ai déjà vu que la concurrence était rude cette année. Je sais, c'est pour ça que j'ai fait des entraînements miniaturisés. Tous les ans, depuis qu'on vient ici, je regarde le festival des flocons dorés et je rêve de remporter la médaille d'or. Et maintenant que j'ai l'âge de concourir, je vais me donner à fond. Oh! Shani, tu t'amuses bien au soleil? Oui, je viens tout juste de voir deux dauphins sauter au-dessus d'un voilier sous un magnifique arc-en-ciel. Moi aussi, je passe de très bons moments sur mon canapé à regarder des films avec Bonita. On vient de finir Coin-Coin-Phobie, l'histoire déchirante d'un garçon qui a peur des canards. Ouh, j'avais trop envie de le voir, celui-là. Bon, est-ce que l'équipe d'entraînement est prête pour notre première descente? On ne peut plus prête. Une seconde, montre-moi ta tenue. Ouh, c'est tellement torride que ça pourrait faire fondre la neige. Merci, Lila. Souhaitez-moi bonne chance. Caméra allumée. Micro activé. Très bien, maintenant, on peut y aller. Mamie? Est-ce que tout va bien? Mamie? Je... Lila, Shani, je vous rappelle dans une minute. Mamie? Est-ce que tu ne préfères pas aller boire un chocolat chaud, ma chérie? Bien sûr, mamie. Ça va te réchauffer. Mmh.
réunion du comité d'organisation du bal d'automne de Little Town est ouverte. Monsieur Perchin n'est pas là. On ne peut pas commencer sans notre conseiller pédagogique. Ah, mais si! J'ai gribouillé quelques croquis avec des idées de décor. Qu'est-ce que tu faisais? Je n'espionnais pas Polly. Et toi, qu'est-ce que tu faisais, Nicolas Wells? Rien du tout. À plus, Gwen. Qui vote pour que le thème du bal soit une soirée inoubliable? Moi! Le seul problème qui nous reste à régler, c'est le lieu. Je veux bien échanger mon super vernis à ongles fluo contre un meilleur endroit que le vieux gymnase tout crasseux de l'école. Ce qu'il nous faut, c'est un lieu de réception super chic avec du charme, de la classe et... qui ne pue pas la vieille chaussette. Monsieur Perchin, on a trouvé le thème et Lila a déjà de très bonnes idées. Très bien. Et moi, je vous annonce que j'ajoute un nouveau membre au comité. Nicolas? Soyez cool, Monsieur Perchin. Elle est beaucoup trop sévère, votre punition. Il te faut des activités extrascolaires qui n'impliquent pas d'aller fouiner dans le bureau du principal. J'étais pas en train de fouiner. J'étais sur les traces du Chupacabra. Dites-moi, monsieur, pensez-vous que le principal Mondo cache un Chupacabra dans son bureau? On ne filme pas dans l'enceinte de l'école! Ah, mais si je mets pas de nouvelles vidéos sur la chaîne des mystères de Nicolas, comment les habitants de Little Town vont s'informer sur les phénomènes inexpliqués? Le paranormal, les apparitions surnaturelles? Nicolas, si tu arrêtais de perdre ton temps avec ce genre de bêtises, tu pourrais faire de grandes choses! Mais ce ne sont pas des bêtises! Il se passe des choses étranges à Little Town! J'y croirai quand je le verrai de mes propres yeux! Bonne chance, les enfants! Bienvenue dans le comité du SBAL, Nicolas. Ça veut dire quoi, ça? Le sanctuaire bal d'automne de Little Town, SBAL. SBALL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 L